tous et bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour la suite de la série de Fire Department et on se retrouve pour l'incident diplomatique. Et je vais me taire parce qu'il va y avoir la cinématique, puis après on va parler d'une chose très importante. Enfin, j'exagère quand même, mais bon. Allez. 8 décembre. Oui, je vous laisse le temps de lire parce que. Une réception touche à sa fin dans les appartements personnels de l'ambassadeur du Kirghizistan. Les derniers invités s'attardent dans les salons du troisième étage. Une explosion d'origine inconnue pulvérise une partie de la façade et ébranle fortement les structures du bâtiment. Un violent incendie dans l'aile ouest menace de s'étendre à l'ensemble de l'ambassade. Dans la rue, la surprise a provoqué un carambolage d'une demi-douzaine de véhicules dont les passagers blessés ou commotionnés commencent à s'extraire. La situation devient chaotique. Minuit 12. Alors que le premier équipe de la 615 fonce vers le lieu du sinistre, un coup de fil du ministère arrive à la caserne. L'ambassadeur est bloqué avec quelques invités de marque dans un salon du troisième étage. Pour ne rien arranger, cet étage abrite une collection d'œuvres d'art du patrimoine kirghize qu'il faut impérativement préserver. Minuit 15. Les hommes de la 615 arrivent. Ils viennent d'être prévenus par radio. Une cellule de crise du ministère suit l'opération en temps réel. Une pression inhabituelle pèse sur leurs épaules. La perte d'une œuvre prestigieuse, la mort d'un haut personnage, et ce sera l'incident diplomatique. Bon voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je tiens à faire une dédicace à une personne qui me... Je lui ai demandé, elle a accepté. C'est Morgan Kunz. Bonjour. Non, voilà. Voilà, ça c'est fait. Oui, c'est une femme. Oui, on n'en parle pas assez des femmes dans mes vidéos. Hein. Oui, c'est tellement rare. Non. Bah, j'ai eu que des invités masculins. D'ailleurs, ça donne une ambiance assez bizarre à mes vidéos. Ouais, bon, enfin bref. Alors, revenons au jeu. Donc là, nous allons devoir sauver un ambassadeur. Eh ben putain, décidément, ça va être qui la prochaine fois? Un président? Le président de la République? Ah, je sais pas là, ça augmente là. On va nous demander de sauver le monde à la fin, tu vas voir. Alors, va falloir affronter le Joker et compagnie. Hein. C'est parti. Ah oui, et dernière petite chose. Si justement Morgan regarde cette vidéo, cette victime est sécurisée. Je lui demande personnellement à venir faire une vidéo avec moi. Elle habite non loin de chez moi. Donc, en sécurité. Elle pourrait venir. Oui, je parle à elle, à la troisième personne. Victime en sécurité. Donc, tu peux venir chez moi. Pour faire une vidéo. Victime oui, en sécurité. Parce que je sais qu'il y en a qui vont penser autre chose. Sagouin. Victime en sécurité. Bah oui. Je suis en manque de femmes, là. Non, mais arrêtez de prendre mes phrases au secours. Ah, je veux dire, mes vidéos manquent de femmes. Oui, je suis en manque de femmes. C'est vrai que ma formulation... Je suis aussi en manque de femmes, mais bon. On peut pas voir tout ce qu'on veut dans la vie. J'y vais. Ah, punaise. Je voudrais James Bond, je suis pas James Bond.
voilà. Ça me rappelle une autre phrase. Merci Elisabeth. Non, ça c'est un personnage d'un jeu vidéo. Ouais, avec une phrase comme ça. Voilà, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Ça, je sens que je la ressortirai souvent cette phrase. Quand j'affronterai des méchants dans des jeux. Bah oui, hein, c'est ça, ouais. Tu sais, quand il y en a, il dit. Bah, je vais détruire le monde parce que j'ai pas eu ça, et puis voilà, hein. Parce qu'on m'a pas fait avoir ça. Ah, moi, je lui dirais, bah, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie, donc. Moi, je voulais avoir ça, et puis voilà. Oui, bon. Allez, on va enfin parler du jeu en lui-même, parce que là, ça fait. Ça fait 4 minutes qu'on nage, j'ai même pas encore parlé, vraiment. Donc là, on doit sauver l'ambassadeur. Donc là, j'ai sauvé quelques civils qui traînaient par-ci par-là parce qu'il y a eu un carambolage de vent, l'ambassade. Et là, maintenant, on va s'introduire dans l'ambassade. Et notre but aussi du niveau, en plus de sauver l'ambassadeur et d'autres gens, ce sera de récupérer des tableaux. Ouais, on a déjà gaulé de l'argent dans une précédente mission, maintenant c'est des tableaux. Je sais pas avec quoi on va se barrer ensuite. Mais parce qu'encore ils vont nous dire sécuriser le tableau. Ce qui sous-entend prendre le tableau et puis se barrer avec. Sympa. J'imagine bien dans une prochaine mission, c'est là où on doit sauver le président. Bon, sécuriser la femme du président. Ok. Bon, monsieur le président, j'emmène votre femme en sécurité. On va plus, au revoir là. Oh là là. Ils ont une drôle de façon de sous-entendre, une drôle de façon de dire sécuriser dans le. Voilà. D'employer le mot sécuriser dans ce jeu. Voilà. Et voilà, on vient de prendre pied au troisième étage. J'adore les soldats. De venir. Oui, les soldats. Bah oui, les pompiers, c'est des soldats du feu. Non, mais. Un culte. Bon, on va demander au caporal d'aller à l'avant. Là, on doit, voilà, sécuriser les œuvres d'art. Ou les sauver. Je crois que c'est sécuriser ou sauver, Guilly. Ouais, mais bon. Ouais, c'est vrai que je les sauve en les emmenant chez moi. Ils seront en sécurité là-bas. Je ne peux pas atteindre ce point. Putain, c'est pire que l'agence touriste, okay. Là. Hein. Tout de suite. Bon, allez, on va éteindre le feu et voilà. Donc, cette mission ne devrait pas être trop longue. Mais le pire, c'est la suivante. Ah, la suivante, je crois que c'est la mission la plus courte du jeu. Hein. Enfin, c'est ce que j'ai fait le plus court. Le plus rapidement. Oh putain, le plancher s'est effondré. Heureusement qu'il était pas juste au-dessus, sinon. Ah. Ouais, ouais, la prochaine mission, elle sera putain de courte. Mais moi, j'étais étonné, là, en revoyant la vidéo. Putain, non, c'est pas que ça, la vidéo. Ah bah si. La victime est prise dans les flammes. Une victime est prise dans les flammes. Vas-y, on va sauver victime. Ok, j'y vais. Voilà, et là, on va demander à notre trio de blaireaux, là, d'aller... d'aller défoncer une porte. Oh my god. Oh my god! C'est parti. Putain, c'est le nombre de fois. Attends. Voilà. Les Américains m'étonnent avec leur insulte. Oh. Autant je savais que c'était récurrent, que ce soit en France ou aux États-Unis, de dire le mot putain, fuck, comme on dit. Hein. Alors. Mais c'est pas la même chose pour au mon Dieu, hein. Parce que... Oh mon Dieu, on l'utilise pas autant de ça en France. Hein. Tout de suite. Oui, hein. Oh mon Dieu. Non, franchement, alors que aux Amériques, aux États-Unis, dès qu'il y a une petite couille, c'est soit fuck, soit oh my god. Oh my god, fuck. Fuck, oh my god. Oh my fucking god. Ok. Ouais, mon putain de Dieu. Et alors. Oh mon putain de Dieu. Ouais, mon putain de Dieu, viens m'aider. C'est ça, tu m'as insulté, va te faire foutre. Tout de suite. Lui, j'ai une drôle de vision de Dieu. Je te pisse à l'arrêt. Oh putain. Ça, si Dieu il se met à faire pipe.
à uriner là. C'est pour ça qu'il pleut. Vous venez de sécuriser une œuvre d'art. L'explication à la pluie. Ok. C'est pour ça que la pluie a un goût de pisse. Tout de suite. L'urine de Dieu. Tout de suite. Oh putain, je vais avoir tous les chrétiens et tout. Et beaucoup de régionaux là. Enfin, ceux qui n'ont pas un sens de l'humour. C'est parti. Je suis content d'une chose, c'est que depuis que je fais des vidéos sur PC, mon nombre de vues augmente. Avant ça allait vers une ou deux vues. Ah, maintenant ça fait deux vues minimum et généralement ça monte beaucoup là. Voilà, là, j'ai du 5, du 8, du 10 vues là. Ça augmente vite. C'est la qualité, ça a augmenté donc. Bah bon. C'est pas encore grandiose. C'est vrai que je me disais, bon, en augmentant la qualité, ça devrait aller plus loin. C'est vrai que ça fait un petit peu augmenter, mais pas beaucoup. Alors en fait, c'est quoi qui repousse les gens de mes vidéos? Si c'est pas la qualité, c'est quoi? Mes commentaires? Peut-être. Bah non, s'ils ont même pas vu la vidéo, comment ils peuvent savoir que... C'est parti, cette victime est sécurisée. C'est pas quoi, je peux comprendre. Donc voilà, je prends les tableaux. Mais ils se les foutent où, ces tableaux-là? J'aurais peut-être pas dû poser cette question. Putain, il y a lui qui fait tout le boulot, le reste qui... J'étais en train de me dire, on était 4 soldats du feu, là. Non, c'est parce que l'autre, il faisait des choses avec la victime dans l'ambulance. J'ai un violent chat dans la gorge aujourd'hui. Je sais pas ce... Eh bah putain, il va rien rester de l'ambassade à la fin. J'ai cru entendre quelqu'un appeler à l'aide. Non, franchement, c'est quoi qui repousse les gens? En tout cas, soyez rassurés pour la prochaine soluce. Les experts, j'ai regardé, la qualité est bonne. Victime en sécurité. Ça va, c'est comme quand j'ai filmé le jeu, exactement. C'est parti. Hein. C'est au même niveau que Scooby-Doo, la qualité. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bug. Après, graphiquement, c'est pas comme Scooby-Doo. Attends, oui. Tout de suite. Et je vous parlerai des points positifs et des points négatifs que je trouve au jeu là. Ah, il y a des points positifs et négatifs par rapport à l'autre jeu des experts que j'avais fait. Et j'ai pas fini de vous faire des jeux d'experts. Hein. Je prévois de m'en acheter. Et il y en a pas mal, hein, des jeux d'experts. Bon, pas autant que des jeux Star Wars. Ouf. Oh, les jeux Star Wars, il y en a tellement, je serais même pas tous les citer. Ah, Star Wars, franchement, j'arriverai jamais à le faire tous les gens sur même si je les avais. Putain. Il faudrait vraiment que je me concentre que sur ça. Et vu que vous me connaissez, j'alterne, hein. Je fais jamais d'affilée un jeu de la même série. Sauf quand c'est sur un même pack trilogie, hein. Par exemple, Silent Hill 2 et le 3. Quand je pourrais refaire, je ferai le scénario bonus du 2, puis je passerai au 3 ensuite, immédiatement après. Bon, moi, il y a eu un petit temps de découle résultat. Donc, techniquement, ça choquera pas trop, mais bon. Comme j'ai dit, à part les trucs HD, voilà, qui regroupent plusieurs jeux de la même série, où là, par contre, je fais d'affilée. Sinon, je fais jamais. Ou quand on fait un truc en coop. Par exemple, on avait fait Resident Evil Rebirth, c'est 5 en même temps là. Hein. Remarqué. À part ça, et à part aussi le nombre d'exceptions. Donc là, il y a des renforts qui sont arrivés. C'est la seule mission où il va y avoir. Attends, je me rends compte, c'est la seule mission où il y a deux échelles d'attaque et deux échelles. Oui, et deux échelles de sauvetage et aussi de camions citernes. C'est la seule mission où il y a des trucs comme ça en double. Je crois que même... Ouais, c'est la seule mission où il y a des trucs en double comme ça. Des véhicules en double. Mon dieu, c'est un... Bon, là, c'est parce qu'il y en a un de chaque côté. Donc, il est maintenant... C'est bien. On a des échelles de chaque côté. C'est bon.
Et même avec ça, on va galérer, vous allez voir. Là, je vais un peu galérer comme d'habitude, hein. Pendant la première partie, ça va aller. Mais après, ça va, je vais galérer pour pouvoir éteindre tout le feu. Et aussi localiser les dernières œuvres d'art, parce que j'ai du mal à les voir. Je trouve encore que la qualité va bien pour cette vidéo, ce coup-ci. Il n'y a pas trop d'épilepsie. Pas une fois. Pourquoi c'est quand je dis ça qu'il commence à y en avoir d'un coup plein? Donc là, il y a pas mal de victimes dans la cuisine. On va devoir aller tous... tous les joueurs douillés. Éteignez le feu. Donc j'ai déjà sauvé 4 tableaux sur 6. C'est déjà pas mal. Alors, autant Tropico, c'est rare que il y ait de la bonne qualité. Mais il peut y en avoir. Autant Fire Département, j'ai l'impression que la qualité sera de merde, mais jusqu'au bout. Hein. C'est parti. À aucun moment, il y a eu une bonne qualité, là. À aucun moment, ils ont un peu amélioré, maintenant. Vous allez avoir de... J'y vais. Par contre, pour ce qui est de la soluce des experts, je vais tout vous faire d'un coup, vous verrez. Hein. Oh, Tropico, là, je commence un peu à m'ennuyer. C'est pour ça que je vous les fais plus trop, hein, les vidéos. Si, j'essaierai, mais... Je vous avoue que ça m'ennuie... Attention, l'incendie de la cage d'escalier dégage une chaleur intense. Donc si vraiment je suis en retard pour le truc, pour tel quel... Plus ça va, il y a une bonne ambiance, donc ça va, vous pouvez vous passer de mes coups. En tout cas, on est revenu dans le futur, là. Le temps s'est remis normalement, à Tropico. Il y a 4 Tropico, le temps il se bouleverse comme ça. Des sauts dans je le temps là. Point, tu peux pas atteindre ce point, mais en même temps bouge ton cul, blaireau. Là il y a le spécialiste en désincarnation qui va scier la porte, littéralement. Et puis on va aller sauver tout le monde. Par contre, il a déjà perdu pas mal de points de vie. Il m'inquiète. Il n'y a pas de médecin sur cette mission. Ça m'inquiète. Donc, il va aller en sauver une de victimes. Ouais, je crois. Il va aller déjà ouvrir cette porte. Et je vais envoyer 4 de... Ouais, je crois que je vais envoyer donc 4 de gars sauver les victimes. Bon, déjà lui, donc. Et puis, je vais envoyer... Je vais tous les envoyer dans la salle. Attention, ce qui est bien, c'est que... C'est qu'une fois qu'on est sorti de... Ta gueule! Dès qu'on est sorti de l'escalier, nos points de vie, les points de vie des pompiers remontent. Je vous le dis. L'incendie de la cage d'escalier dégage une chaleur intense. Vous venez de sauver l'ambassadeur du Kirghizistan. Ah bah c'est bon. Je vais sauver l'ambassadeur Kirghizistan. Quel nom de merde. Enfin non, je veux dire, quel nom de merde pour un pays. J'ai pas bien formulé. Ça voulait dire autre chose que j'ai dit. C'est un nom de merde. Pour le pays, je sais pas. Pas trop renseigné. Donc voilà, on a sauvé les victimes. Voilà, comme ça. Pas besoin de sauna. On va dans cet escalier et hop. Comme je vous disais, donc la santé des pompiers remonte dès qu'on quitte l'escalier. Donc c'est tranquille. Oui, oui, c'est pas. Tu perds pas définitivement les points de vie. Il n'y a qu'avec le vrai feu hein, que on perd les points de vue pour de bon. C'est bon, l'échelle de sauvetage va cramer là. Feu trop proche. Feu trop proche. C'est bien plus. Feu trop proche. Victime en sécurité. Feu trop proche. Victime en sécurité. Sécurité. Donc là je fais reculer l'échelle, voilà, le sauvetage, et je vais l'arroser.
Oui, parce que vous avez vu, ça crame. Hein. Donc voilà. Toutes mes unités qui sont maintenant en bas, je vais les laisser en bas pour le reste du niveau. Et celles qui sont encore en haut, eh ben, je vais les envoyer. Ben, éteindre le reste du feu. Ben, logique. Par contre, le petit truc là qui balance du feu, là, qui crache du feu, on peut pas l'éteindre. Donc, faut s'occuper du reste du feu. Attention, l'incendie de la cage d'escalier dégage une chaleur intense. Et là, avec les échelles, on va aussi essayer d'éteindre un petit peu de feu. Hein. Pas du feu, mec. Ok. Ouais, c'était naze la blague, mais bon. Vous avez l'habitude, hein. Éteignez tous les foyers. D'accord. Ça va pas être possible. Donc là, va falloir aussi... je vais essayer aussi de trouver... Ben, les tableaux qui restent, hein. Aucun n'a cramé, je vous le dis. J'ai réussi à tous les... Je suis fort, hein. Yeah. Je me rappelle, la première fois que je jouais à ce jeu, je galérais, mais à mort. Je me suis amélioré. Là, j'ai quasiment jamais perdu la partie, là. J'ai même pas perdu la partie une seule fois, même. Ça, c'est même pire, là. Je m'améliore. C'est convaincant, mon. Donc là, avec cette échelle d'attaque, on va essayer d'éteindre le reste de ce qui reste là. Voilà, ce qu'on peut pas demander aux pompiers. Voilà, on va faire avec son... Tu me suis? Oui. Il est encore fatigué. Putain, le nombre de fois que vous m'entendez bailler là. En même temps, je fais rien là, à part agiter mon stylo depuis tout à l'heure. Oui, je rapproche bien du micro, je suis le gros connard. C'est parti. Oh mon dieu. Putain, j'ai encore des séquelles de mes aventures avec Jamie. Oui. Putain, il faisait un rire comme ça. Oui. 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 Pire que Chucky, hein, son rire. Feu trop éloigné. Feu trop éloigné. Par contre, je remarque qu'il n'y a pas eu tant de vues que ça sur le best-of. Ah, je m'attendais à plus, franchement. Il y a plus de... Ouais, franchement. Ça condense les meilleurs moments de Resident Evil, des parties de Resident Evil 5. Sans pour autant les gâcher, hein. Vous pouvez quand même regarder les vidéos. J'ai pas pu tout mettre, donc il y a d'autres moments. Et puis si vous êtes bloqué dans la série, c'est mieux vaut aller regarder dans les parties en elles-mêmes, hein. Hein, si vous êtes bloqué dans le jeu. Par contre, si vous voulez rigoler un bon coup, regardez le bêtisier numéro 1 sur... Oui. Ah, non. J'ai précisé numéro 1 parce que il y en aura un numéro 2. Normalement, okay. Si j'arrive à faire avec Steve la suite de Resident Evil 5, il y aura, et à le finir, il y aura un bêtisier numéro 2. Qui seront tous les moments avec Steve. Voilà, le premier c'est avec Al et le deuxième avec Steve. Steve avec un I. Oui, je sais, c'est inédit, hein. On a l'habitude avec le E, on a l'habitude de Steve aussi avec AI. Mais Steve avec AI, c'est inédit. Original. Ah, on peut faire de l'originalité comme ça, c'est comme Maxime, hein. Alors, il suffit de remplacer le I par un Y et hop, original. Ou pas mettre de E à la fin. Maxime. Voilà. Ou double M. Bon, ouais. Je vous donne des... Si jamais vous allez avoir un enfant, voilà, je vous donne des petites idées pour faire original. Mais en empruntant un nom, super connu. Voilà, 18 minutes l'intervention. Oh, ouais. Voilà, zéro victime, blessure de comme ça. Ouais, bon, c'est mal.
véhicule détruit. Beaucoup de dégâts, importance du sinistre, ça va. Et 6 tableaux. Ouais. Donc j'ai une note de 3. Yeah. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour la suite. Et on est, voilà, atteint la moitié du jeu. Voilà, c'est net, précis, la moitié du jeu. Il reste plus que 5 missions. Oui, il y en a 10 en tout. Pour préciser. Bye.